Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On va cuisiner ensemble aujourd'hui, puis j'avais vraiment hâte de la cuisiner cette recette-là parce que j'ai eu de super de beaux commentaires des personnes qui l'ont cuisiné jusqu'à maintenant. J'étais allée voir tantôt sur Météo Média voir qu'est-ce qu'ils annonçaient en fin de semaine, espérant qu'ils annoncent pas si pire que qu'est-ce qu'ils annonçaient en début de semaine. Finalement, ça s'annonce encore pire, sérieusement. C'est comme moins 31 demain, moins 34 samedi. Déjà, la semaine passée, c'était difficile d'aller dehors avec la tempête de neige qu'on a eue. Fait que j'étais un peu déçue. J'avais vraiment hâte de pouvoir retourner glisser avec mes enfants. Mais semblerait que ce sera peut-être pas en fin de semaine. Parce que là, commencer à sortir à moins 30 avec des jeunes enfants, ça va prendre 2 minutes que je vais avoir des enfants qui vont pleurer parce qu'ils vont avoir trop froid. Donc, allô Bernadette, allô Mélissa, je suis contente que tu puisses me regarder. Puis j'espère que tu vas te rétablir rapidement parce que je sais que quand on est sur le dos puis qu'on est une maman, on n'a pas le choix de continuer à faire ce qu'on a à faire. Puis ça, c'est vraiment difficile, on se sent impuissante. On aurait le goût de se botter encore plus les fesses, mais le corps ne suit pas. J'espère que tu vas te reposer et que tu vas te rétablir rapidement. Allô Joanne, allô Solange, j'espère que tout le monde va bien. Que d'où vous êtes, c'est pas trop pire dehors, que vous puissiez prendre le temps aussi. Je viens de fermer mon rond parce que je commence à avoir vraiment chaud, là. Mais c'est ça. Donc j'espère que d'où vous êtes, vous allez bien. Puis comme j'ai inscrit hier et ce matin dans mes publications Facebook, j'ai dit que si on atteignait 100 personnes pendant la live, je vais faire des tirages. Et parlant de tirage, justement, je voulais vous présenter aussi tantôt, pendant la cuisson du potage, le panier cadeau que la Pralinière nous a offert pour vous en guise de cadeau concours. Donc, si jamais vous n'avez pas participé au concours, allez sur ma page Facebook. Vous allez voir, il est vraiment en haut de toutes les publications, concours la Pralinière, avec un magnifique panier chocolaté à gagner que je vais faire tirer demain pour la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment un super de beau panier avec des beaux produits que vous pouvez ou non partager avec ceux que vous aimez. Donc, je vais vous laisser prendre papier et crayon. Parce que, en fait, à chaque fois que je fais une recette en live, à de multiples reprises pendant le live, j'ai des personnes qui me demandent la recette. Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes pour aller vous chercher papier et crayon pour ceux et celles qui n'auraient pas le Détoxcat. Parce que la recette est dans le Détoxcat, qui est encore en kiosque. Mais là, c'est important à savoir. Allez, je vais fermer mon rond, là. Bon. Bon. Le magazine 4 semaines est en kiosque encore dans les épiceries, IGA, Métro, Supercé, Maxi, puis chez Walmart, OK? Il est encore en kiosque, mais pour peu de temps. Donc, dans quelques semaines, justement, il va déjà être retiré de kiosque. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nos magazines sont distribués dans plus de, je pense, c'est au-dessus de 1000 points de vente au Québec, mais ils sont retirés après environ 12 semaines de distribution parce qu'on fait de la place pour rentrer notre prochain magazine qui va être celui de mai 2020, qui va être Plaisir d'été, zéro culpabilité. Donc, j'étais en train de travailler justement sur ce magazine avant de venir vous rejoindre en live. Donc, si jamais vous n'avez pas votre détox Tonka, prenez papier et crayon pour noter la recette, première des choses. Puis pour ceux et celles que vous l'avez, mais que vous ne l'avez pas encore cuisinée, elle se trouve à la page 40 du magazine Ma semaine détox Tonka. Donc, c'est un potage chou-fleur à la patate douce qu'on va protéiner grâce à une légumineuse que j'aime beaucoup intégrer justement dans mes potages, c'est l'haricot blanc. Donc, moi, j'opte tout le temps pour la conserve, pour la rapidité. Puis, moi, l'étape de trempage, je ne suis pas rendue là dans ma vie. Donc, vraiment, l'haricot blanc, c'est super doux comme goût. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est un, ça ajoute des protéines à votre potage, donc c'est beaucoup plus rassasiant. Mais deux, aussi, ça ajoute un côté crémeux que j'aime beaucoup. Donc, c'est une belle, 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 vraiment belle manière de faire manger des légumineuses à tous ceux et celles qui se disent qu'ils n'aiment pas ça, là, autant grand que petit. J'ai réussi à même les plus, pas les plus susceptibles, mais même les personnes les plus difficiles ont finalement trouvé ça super bon, puis ils ont été séduits par ça. Donc, l'esthétique sera confondue. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est les propos que mes lectrices me disent, autant envers leurs conjoints qu'avec leurs enfants, avec les recettes du détox Tonka. Ça me fait penser aussi à ma galette de patates douces, parce que dans le potage qu'on va cuisiner, il y a de la patate douce. Galette de patates douces, il y a certaines personnes qui avaient quand même certaines appréhensions, des doutes,
face à cette recette-là. Puis finalement, ils m'ont écrit quelques jours plus tard pour me dire qu'ils ont cuisiné la recette, puis ils ont dû en cuisiner une deuxième batch parce qu'il n'y en restait déjà plus. Donc, on est déjà 60 personnes, donc on va continuer, partager, inviter vos amis à venir se joindre au live pendant qu'on cuisine ça ensemble. Fait que je vous laisse 2 minutes pour aller chercher vos papiers et votre crayon. Allô tout le monde, je ne nommerai peut-être pas tout le monde parce que là, on va perdre le fil d'actualité assez rapidement. Oui, ça va sentir bon, Lucie, dans la cuisine. C'est le fun parce que moi, mes enfants, tu sais, tout ce qui est salade, sauté, légumes cuits, il y a encore des difficultés, il y a encore du chemin à faire. Donc, une manière pour moi de vraiment les aider à manger des légumes, c'est les potages. Ça passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, ils aiment vraiment ça. Des fois, là, notre dîner, là, c'est tout simplement un potage avec un sandwich ou avec des craquelins avec du houmous. C'est vraiment super basique comme dîner de fin de semaine, là. Mais moi, la fin de semaine, c'est pas vrai, je commence à me casser la tête avec les repas. Je le fais la semaine de longue. Donc, la fin de semaine, on aime ça vraiment avec des choses super faciles, accessibles. Tu sais, on va avec ce qu'on a, les restants. Donc, ça va être pas mal ça, notre dîner de demain, de Saint-Valentin. Justement, je pensais faire des sandwichs en forme de cœur, sandwich au grilled cheese, là, je suis pas décidée, avec le potage. Donc, si vous avez pas votre menu de Saint-Valentin, puis vous aimeriez ça, faire une entrée super rapide, je vous invite à faire ce potage-là. Donc, première des affaires. Là, la dernière fois, j'avais une lectrice qui me disait qu'elle aimerait mieux voir moi en train de cuisiner. C'est pas toujours possible, là, sur le bord du rond, il fait vraiment chaud pour faire des affaires, puis c'est dur de trouver un emplacement que vous puissiez bien voir. Fait que là, je vais m'organiser de même, puis là, moi, je suis comme demain, c'est le four, là. Mais on va s'organiser comme ça aujourd'hui, puis si vous avez des suggestions, ben, on va les prendre. Donc, dans une casserole, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Là, ma casserole est déjà chaude, là. Une cuillère à soupe d'huile. Je le mets le rond à moyen élevé, là. C'est pas trop, là. Puis, j'ai haché ici un oignon blanc qu'on ajoute ici tout simplement. Ma chaudronne était chaude, visiblement. Je vais juste le prendre. Puis là, on va faire revenir l'oignon. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai vraiment l'impression de parler fort. Dis-moi là si vous m'entendez pas bien. Oh, super ça, Solange! Allô Edith! Allô Lucie! Bernadette est déjà assurée de gagner le concours. Je vais vous le présenter après, Bernadette, le panier cadeau que la première va faire pour vous gâter. Donc, on va faire que l'oignon. Je vous dirais à peu près 3-4 minutes. Jusqu'à temps qu'il soit tendre, qu'il soit rendu translucide. On ne veut pas qu'il caramélise. On veut vraiment qu'il soit juste translucide. Donc, en attendant, je vais vous expliquer les autres ingrédients. Donc, comme je vous disais, une cuillère à soupe d'huile, un oignon haché. Ici, j'ai une patate douce que j'ai coupée vraiment en petits deux pour les besoins de la course du live parce que je voulais que la cuisson se fasse rapidement. Vous pouvez couper un gros morceau, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai une patate douce ici coupée. Ensuite, j'ai un chou-fleur que j'ai coupé encore ici en petits bouquets, vraiment en petits bouquets pour faciliter la cuisson pendant le live. Il ne faut pas non plus qu'on attende 45 minutes que tout soit cuit. J'ai une tasse d'haricots blancs en conserve, rincés et goûtés pour éviter les têtes surprises. J'ai ici une demi-tasse de crème à cuisson 15%. On peut y aller avec la crème à cuisson. Ben, je ne sais pas si c'est écrit à cuisson, mais il y a la crème aussi à 5% de matière grasse, qui est aussi une belle alternative que j'utilise souvent dans la recette. Puis si on veut quelque chose d'un peu plus cochon, on peut y aller avec la crème 35%, il n'y a aucun problème. C'est vraiment à votre goût, là. Si vous n'avez pas de crème 15%, mais vous avez un reste de crème 35%, allez-y avec la 35%. Puis on a besoin aussi de bouillon de poulet, évidemment. Donc là, je vais continuer la cuisson de mon oignon. Il en reste vraiment pas gros, là. Ça fait 2 minutes. On va saler et poivrer petit à petit. Là, j'ai pas pensé mettre ça dans un petit pot faire ça fancy, là, mais en tout cas, on sert. Là, moi, le porc, je vais peut-être m'abstenir parce que les enfants ne crient pas trop là-dessus, là. Mais allez-y vraiment avec vous. On va continuer la cuisson. Je vais remonter un peu le rond. C'est vraiment très simple comme recette, je vous le dis, là. On pourrait même remplacer le chou-fleur par, je sais pas, ça pourrait être du panais. Ça pourrait être même des pommes de terre, à la limite. Ça pourrait être... C'est sûr que le brocoli, je vous garantis pas que la couleur serait super appétissante, mais ça serait super bon, ça, je suis sûre et certaine.
Ça pourrait être du poireau, ça pourrait être vraiment n'importe quoi, puis on peut vraiment pimper la recette à l'unité. Allô Joanne! Allô Andy! Adji, c'est quoi ton vrai nom? Je sais pas si c'est toi qui m'écris en privé des fois, là, mais... Il me semble que t'as un vrai nom, je suis pas sûre. Peut-être que je me trompe de personne. Ok, le monde m'entend bien. Mélissa, elle espère gagner le concours aussi. En attendant, justement, ça cuise. Je vais vous me présenter le... J'espère juste que ça plantera pas. Regardez ça, le beau panier cadeau de la pralinière. Ça a-tu pas l'air assez bon, ça? Ici, on a... là, je peux pas voir c'est quelle saveur qu'ils ont mis. Moi, j'en ai acheté hier à l'épicerie, justement, pour ça. Parce que demain, je vais faire une petite fondue au chocolat avec les enfants. Donc, on a une fondue au chocolat ici. La saveur, je sais pas. Je suis pas capable de l'apercevoir. On a, évidemment, les petits chocolats d'amoureux, des chocolats en cœur. On a des saucissons en chocolat. On a deux belles boîtes. On va les voir ici. Deux belles boîtes de chocolat également. Sérieusement, je suis jalouse. J'aurais vraiment aimé ça gagner. Mais bon, moi, je vais au commerce qui sont justement dans la base. Donc, si vous n'avez pas participé au concours, c'est simple. Allez sur ma page Facebook, vous allez voir la publication. Pour participer et être éligible au concours, vous avez à aimer ma page. Je ne l'ai pas déjà fait. Aimer la page de la pralinière que j'ai taguée. Puis, de nous dire avec qui vous partageriez ce gros cadeau chocolaté. Puis vous avez le droit de répondre que vous le garderiez pour vous. C'est normal. Je ferai la même chose. Donc, là, mon oignon, il est bien cuit. J'ai 5 tasses de bouillon à ajouter. Ici, c'est 900 ml. Donc, c'est environ 4 tasses. Là. On s'entend pour le besoin de la cause. Je vais y aller à l'œil. Donc, déjà là, je vais avoir 4 tasses. Je déglace avec mon bouillon. Je vais augmenter mon rond tout de suite à feu élevé pour précipiter un peu la chose. Donc, environ 4 tasses, puis il m'en faut 5. Donc, mettons 100 ml qui me manquait, mettons une tasse. Pour besoin, c'est pas grave, on peut réajuster. Donc là, j'ai rajouté mon bouillon de poulet, puis je vais rajouter ma patate douce. Je vais rajouter mon chou-fleur. Je mélange. Je rajoute mes haricots, mais ça, on pourrait les rajouter à la fin aussi, si on préfère. Ça ne change absolument rien là-dedans. Je rajoute ça. Je monte le feu, puis j'attends. C'est environ, là, rendu là, cet appui-ci, là, c'est environ... Là, je me promène beaucoup, là, je ne vais pas vous donner mal au cœur, là. Mais là, c'est à peu près... normalement, c'est 20-25 minutes. Mais étant donné que j'ai vraiment fait de la coupe de mes légumes très petits pour pas que ça prenne une éternité puis pas faire perdre de votre temps non plus, dans 15 minutes, je vais aller voir ce que ça donne. Mais en attendant, on va se jaser ça puis je vais vous présenter le concours parce que le tirage a lieu demain. Donc, j'aimerais ça que tout le monde puisse participer. Agui. Ah, oh, excuse-moi, Agui. Je disais Agui, c'est pas pire, mon affaire. Je disais ça en beauceron. Excuse-moi, Agui. Allô, Sylvie? Bon, on a une couple qui veut gagner le concours, à ce que je vois. Puis si on attend 100, là, on est déjà quasiment 70. On attend 100 personnes, je vais faire des tirages du magazine Ma semaine détox tombe 4. Pour ceux et celles qui ne l'auraient déjà pas en votre possession. Comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir cuisiner nos recettes détox, justement, avec lesquelles on a eu de super beaux témoignages. Vraiment, je vais vous en lire quelques-uns, ça sera pas long. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous autres, on est vraiment en train de travailler sur notre magazine demain. On clenche ça. Puis, c'est justement dans ce magazine-là que vous allez pouvoir retrouver des témoignages de personnes qui sont toutes du Québec, hein? Ouais. Des personnes du Québec, justement, qui nous ont partagé leurs commentaires. Donc, on va commencer par Kathleen de Trois-Rivières qui dit « Je suis nouvellement abonnée à tes magazines. Je termine le détox 3 aujourd'hui et je commence le détox 4 demain. J'adore vraiment toutes tes recettes. Les résultats ont été vraiment super pour la première semaine. J'ai perdu 5,2 livres et mon mari en a perdu 6,3 livres. C'est vraiment génial.
J'avoue que j'étais un peu sceptique, étant quelqu'un qui a l'habitude de calculer les calories normalement. Je me suis retenue de tout calculer cette semaine et voilà. Tout ça combiné à mon entraînement, ça donnait un super beau résultat. Donc, Kathleen a fait quelque chose que je constate que plusieurs lectrices font. C'est-à-dire que je dis pas que des calories, c'est pas important. Ça, c'est pas la première fois qu'on s'en parle, mais c'est à la limite obsessionnel. Disons que il y en a plusieurs qui vont tellement compter qu'à un moment donné, ils savent juste plus où se garrocher, ils savent plus quoi manger, ils savent plus les portions. Il y en a même qui vont jusqu'à sauter des repas pour manger plus au courant du restant de la journée, ou ils vont sauter deux repas pour pouvoir grignoter en soirée. Donc, c'est vraiment problématique. Puis moi, le comptage de calories, j'ai jamais cru vraiment à cette technique-là. Je pense qu'il faut vraiment plus se fier à notre faim et satiété. Puis regardez, Kathleen, elle a tout le temps calculé ça sans jamais connaître vraiment les résultats. Puis là, pendant que sa semaine détox tombe 3 et tombe 4, elle a arrêté de compter, puis elle a perdu 5,2 livres en une semaine, puis son mari 6,3. Donc, on s'attend que ça donne de super de beaux résultats, sans casse-tête, sans chichi, juste en suivant la semaine détox, en cuisinant des recettes qui sont visiblement aimées des lectrices, puisque j'y reçois quotidiennement des messages puis des commentaires. Donc, ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Christine de Laval, qui dit « Bonjour Catherine Roxane, je voulais te dire merci et te dire que je t'aime d'amour. » Ça, c'est cute. En Saint-Valentin, là. Besoin de dose d'amour. Vers la fin de l'année, après avoir essayé quelques recettes que tu avais partagées par courriel ou sur Facebook, recettes que je trouvais particulièrement savoureuses, j'ai décidé d'acheter quelques-uns de tes livres. Je me disais que je ferais tes recettes à partir du mois de janvier pour maigrir, car j'avais atteint le fond du baril. J'ai donc décidé de faire le plan de 4 semaines de minceur, qui est en rupture de stock. J'étais prête et mindée. Le 4 janvier, je commence. Les 4 semaines se sont terminées vendredi 31 janvier. Et wow, pas une recette était bof. Tout était bon et goûteux. Je n'ai pas souffert de rage, à part une fois pour du fromage. En combinant la danse et ton menu, je termine le mois de janvier à 18,1 livres en moins et 7 pouces en moins au total sur toutes les parties de mon corps. Je peux te dire qu'à ma pesée de ce matin, je pleurais de joie et pendant que je dansais, j'avais un immense sourire dans le visage. Merci de faire des recettes aussi goûteuses, savoureuses, faciles à faire et surtout colorées. Puis qu'est-ce qui me touche plus particulièrement dans le témoignage de Christine, c'est, tu sais, oui, elle a eu des super résultats de perte de poids, de réduction de tour de taille de 7 pouces, là. On s'entend que c'est plus qu'un demi-subway, ça, là. Puis, mais c'est surtout le fait qu'elle dit qu'elle pleurait de joie, puis que pendant qu'elle dansait, elle avait un énorme sourire sur le visage. C'est ça, honnêtement, que moi, quand j'ai lu son témoignage, là, ça m'a vraiment émue. Puis je pense que j'y avais dit dans ma réponse, ça m'avait vraiment fait, tu sais, vraiment un gros ouf au cœur, là. J'étais tellement heureuse pour elle de voir que, tu sais, la perte de poids, c'est une chose, mais ça permet aussi de retrouver de la joie, de retrouver l'harmonie, de se sentir mieux dans sa peau. Puis ça, j'avais vraiment trouvé ça super cool dans le témoignage à Christine. Donc, on va attendre que ça cuise. Là, vous voyez, là, j'ai mis le feu très élevé. Chez vous, mettez-le en moyen, là. Tu sais, je pourrais vous jaser ça. Je vais attendre 10 minutes avant de tester, voir si c'est assez cuit. Ginette qui dit, je vais le donner en cadeau car j'ai déjà ton livre et les recettes sont délicieuses, alors je vais le partager. Merci. Allô, Kiana? Oh, elle aimerait ça que tu gagnes un livre, Mélissa, là. Ben, j'espère, mais il faut attendre 100 personnes pour faire des tirages, par exemple. Fait que, taguer des amis puis les amoureux de potage, là, c'est le temps qu'ils viennent se manifester pendant ce live-là. Donc, c'est ça. 4 semaines, comme je disais tantôt, il reste pas longtemps en kiosque. Il reste quelques semaines seulement encore. Puis, après, il va être retiré, mais évidemment, il va toujours être disponible sur notre boutique en ligne. Allez-y, justement, on a des promotions, on a des rabais aussi offerts sur notre collection de magazines 2019. Donc, nos 3 parutions de 2019 sont en réduction, soit le Détoxon 3, 10 minutes de cuisson moins et la bonne bouffe réconfortante également. Puis, il y a d'autres aussi promotions en cours. Mais c'est ça, le 4 semaines, pour eux autres qui savent pas, c'est juste un programme. Mais je dis juste, je suis en train de banaliser le magazine, mais c'est pas ça, c'est que c'est un programme pour apprendre à manger sainement
mais simplement aussi pour cuisiner à la maison. Donc, c'est pas un régime, c'est pas un programme de perte de poids qui va vous dire, tu sais, fais tel entraînement, telle intensité, telle fréquence, tout ça. Pas en tout, c'est vraiment pas ça. C'est des recettes qui vous sont proposées avec des menus préétablis. Ça, c'est justement la galette de patates douces que je vous parlais tout à l'heure, là, que les sceptiques ont été confondus. Donc, c'est vraiment des recettes qui vous sont proposées, diverses recettes-là, autant petit déjeuner, collation, dîner, souper, des recettes variées pour tous les goûts. Pour ceux et celles qui ont des intolérances sans lactose, sans gluten, toutes les recettes sont indiquées justement pour ceux et celles que ça respecte cette condition-là. Puis il y a toujours possibilité aussi, ça c'est mon autre potage qui est très aimé, c'est un potage de tomates, j'essaie de l'air à l'envers, et au chèvre. Le chèvre est facultatif si vous n'aimez pas ça. Ici, c'est mon poulet indien à la mijoteuse, très très aimé. Chez nous, ça a été vraiment un gros coup de cœur, cette recette-là. Les boules d'énergie, c'est drôle parce que justement, j'en ai plus. Hier, j'ai un mari qui a une dent très sucrée. Vraiment beaucoup, beaucoup. Puis hier, chérie, il avait le goût de sucre, puis on n'avait pas de chocolat. Ben, on avait ça, là. Mais arrêtez pas, de ma part, de le manger. Donc, en plus, je le cache, parce que sinon, je suis sûre qu'il aurait piqué dedans. Fait que il y avait goût de sucré, puis j'avais fait ces recettes de boules d'énergie là pendant la création de ce magazine là. Puis moi je les congèle. Honnêtement là je trouve que c'est super de dépendant de collation ou quoi que ce soit. Fait que je les ai congelées puis j'ai vraiment eu un tiraillement pour faire ce live là, à savoir si je vous cuisinais ça ou si je vous cuisinais le potage. Donc j'ai décidé le potage étant donné le frais de canon en fin de semaine. Mais c'est ça. Finalement, pour finir mon histoire, c'est que hier, il y avait goût de sucre, puis j'avais rien, là. Tu sais, j'avais même plus de yogourt, là. Vraiment, on est dû pour faire l'épicerie. Puis je savais qu'il me restait ça dans mon congélateur, donc j'ai sorti ça. Puis, ça y a vraiment coupé sa rage de sucre, puis je vous le dis, là, mon mari, c'est une méchante de bête à sucre, là. Je sais pas si mes amis qui m'écoutent en direct, là, mais vous pouvez approuver que, hein, il a mis ça le sucre. Donc ça, c'est des belles boules d'énergie, vraiment super soutenantes, faciles à faire, qu'on décore comme on veut, là, noix de coco, pistache, canneberge, tout ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, comme je vous disais, dans les recettes. Ça, c'est une autre belle recette que les lecteurs aiment beaucoup, mes muffins explosifs aux fruits. Ça, c'est mes pâtes à la poulet méditerranéenne. Ça, c'est mon sandwich aux pois chiches. Ma salade vitaminée aux crevettes. Ça, c'est le genre de choses qu'on se fait pratiquement toutes les fins de semaine. Donc, c'est ça. Les 9,95 pour ceux et celles qui se posent la question. Puis sur notre boutique en ligne également, il fait 9,95 avec la livraison gratuite. Carly a dit la galette, c'est la meilleure. Merci! Super! Ça fait vraiment plaisir pour les recettes. Solange, est-ce que vous allez cuisiner le potage ce soir? Je vous dis, il est vraiment très rapide à faire. Puis plus vous allez couper vos légumes petits, plus que la cuisson va se faire rapidement, justement. Donc, je vais attendre un petit peu pour regarder mon potage, pour pouvoir le réduire en potage, justement. Pour cette étape-là, moi, j'ai pris mon robot culinaire, parce que ma petite Zézette, là, honnêtement, elle va comme pas très, très bien. Donc, j'ai mis un robot culinaire, mais ça peut être la Zézette, vous savez ce que je veux dire, là, la zzzz. Sinon, un mélangeur, donc il y a plein de possibilités pour le réduire en potage. J'espère juste que la cuisson va se faire quand même rapidement. Puis, n'oubliez pas d'aller participer aussi à notre concours de Saint-Valentin. Donc là, je vais juste watcher mes affaires. Je sais pas si ça allait bien voir. Là. Je vais mettre une mitaine parce que, tu sais, mon mari m'a acheté la mitaine. Genre, la mitaine qui est aussi longue que mon avant-bras, là. Parce que je suis tout le temps en train de me brûler. Là, on s'entend que ça a goût anti-péché. Mais moi, il n'en manque pas tant que ça. C'est pas ce que je fais en joignant pour tester voir. Parce que là, j'ose pas trop écouter, sinon c'est clair que je vois drôle. Je vais attendre 5 minutes. Puis évidemment, si vous mettez le couvert, ben, la cuisson va se faire encore plus rapidement. Là, je laisse ça encore 5 minutes.
puis après on va être correct pour faire notre potage. Donc là, je me tasse ici parce que sérieusement, j'ai vraiment trop chaud là. Je sais pas si c'est les hormones là. Pourtant, je suis pas dans une période particulièrement hormonale là, mais bon. Nilda qui a fait les galettes aussi, qui les a aimées. Ah, mais bye bye Diane, on va se revoir au prochain live, j'imagine. Sinon, vous pouvez m'écrire également. Je vais mettre la recette aussi après le live, que vous puissiez la cuisiner, puis nous partager vos commentaires, vos photos. C'est tout à super, très, très, très aimé. Sinon, en attendant que ça cuit, on parle-tu de nos plans de Saint-Valentin, si vous n'avez? Qu'avez-vous de prévu pour votre Saint-Valentin de demain? Moi, je veux connaître surtout vos menus, là. Je veux pas connaître trop vos déclarations d'amour intime à votre conjoint ou à votre conjointe, mais c'est quoi votre menu demain de Saint-Valentin? Moi, je suis curieuse parce qu'on s'est vraiment posé la question, mon mari et moi, à savoir est-ce qu'on allait cuisiner ensemble, chose qui arrive jamais, ou si on allait juste prendre congé de cuisine et juste profiter de cette soirée-là dans le calme, ensemble, les enfants couchés, juste savourer le moment, puis peut-être le silence. Donc, je veux savoir c'est quoi vos plans pour la Saint-Valentin. Si vous allez fêter ça en famille, en amoureux, au restaurant, vous allez faire une souper fondue, une souper raclette, vous allez vous faire livrer, ça peut être n'importe quoi. Nous, personnellement, on a décidé de ne pas se casser la tête. Au départ, on pensait peut-être aller au restaurant, mais moi, je suis rendue à un point de ma vie où sortir le soir m'écœure un peu. Je préfère nettement plus être dans le confort de ma maison. Donc, moi, au début, j'avais proposé de cuisiner. Puis mon mari avait l'air comme à dire, tu devrais prendre un congé aussi. Donc, à place de se casser la tête, on va se chercher des bons sushis pour demain. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Avec ça, je vais accompagner ça de crevettes que je vais faire dans le bar à l'ail, des vraies crevettes argentines. Là, c'est vraiment les meilleures crevettes si jamais vous n'avez jamais mangé, là. C'est vraiment les meilleures crevettes. Elles sont chères, là, mais elles sont vraiment bonnes. Je vais faire ça avec des crevettes à l'ail. Une belle salade colorée, là, le mesclun, avec sûrement des noix, des graines, des fruits séchés, du fromage. Vraiment une belle salade composée. Puis, j'ai même pas fait de dessert. Puis, j'ai même pas acheté de chocolat, c'est clair. J'ai acheté des petites affaires pour mes deux plus vieux, là. J'ai acheté une petite mini affaire pour mon bébé, là. Mais, tu sais, on s'entend, j'y achèterai pas de chocolat, là. Mais ça va être pas mal ça, nos plans de Saint-Valentin pour demain. Demain midi, je vais faire sandwich potage, sandwich en forme de cœur. Après, comme dessert, vu qu'on veut super en amourer, comme dessert au dîner, je vais vraiment faire une belle tablée de fruits. Fraises, framboises, bananes, c'est quel autre fruit? Kiwi. Avec justement ce même produit-là que j'ai acheté hier en épicerie. Donc, on fait ça fondre, c'est à peu près 30 secondes au four micro-ondes. C'est vraiment pas long, là. On fait fondre ça 30 secondes au four micro-ondes, puis tu coules des filets sur tes fruits, là, puis je vais mettre ça avec des morceaux de gaufre, des morceaux de pancake, avec des petites mini guimauves, là. Ça va être vraiment comme un dessert, vraiment, un dessert cochon, là, qu'on va se faire en famille. Ouais, Nox, c'est vrai que demain, dans la journée, il y a le monde travail, là. Moi, le vendredi, c'est à cause que j'ai mes enfants avec moi, hein. Fait que je travaille quand ça tombe. Mais, une game de hockey avec des amis, c'est cool, ça. Fondue chinoise pour Edith. Solange pour la Saint-Valentin, ça va être... je vais à la fête de ma petite-fille qui va avoir 1 an. Oh! Bonne fête à ta petite-fille, Solange! Ça va tellement vite, hein? Ça n'a pas de sens. Mon bébé va avoir 8 mois. On dirait que ça fait juste... Je sais pas, on dirait que c'était hier que j'ai accouché de lui, là. C'est épouvantable. Il commence même à vouloir se mettre à quatre pattes. C'est tellement cute, sérieusement, là. Il est tellement... Il est tellement joueur, riant avec ses frères. Puis ses frères, ils l'aiment donc bien, là. Assez que mon plus vieux, puis lui, il dort dans la même chambre. Puis mon bébé, évidemment, il est dans une couchette. Puis mon grand Nicolas, il est dans un lit. Puis un samedi après-midi, c'était très, très, très silencieux. Puis c'est rare que mon plus vieux fait des siestes, là. Il est vraiment dans l'étape où il sieste pratiquement plus, là, même s'il devrait, là. Puis c'était vraiment silencieux. Je me disais, OK, il y a de quoi qui se passe, là. Il y a vraiment de quoi. C'était trop silencieux à mon goût. Je redoutais le pire. Puis j'arrive dans la chambre. Il était couché avec son petit frère de 8 mois dans sa couchette, tous les deux avec leurs pouces dans la bouche. C'était tellement cute, là, sérieusement, là. Puis hier, encore hier soir, je suis venue pour venir les border. Puis finalement, mon grand était dans la couchette avec son petit frère collé en cuillère. Donc ça,
Ça, c'est vraiment, là, ça fait fondre un cœur de maman. Ça n'a aucun bon sens comment tu es cute. Petite parenthèse. Ginette et elle, moi, je ferais une fondue samedi et comme dessert, une fondue au chocolat. On s'en fait pas de fondue au chocolat, sinon on dirait, hein? As-tu l'impression ou... Moi, je sais que même la fondue à la viande, là, je pense que la dernière fois qu'on en a mangé à la maison, ça date de quand? Avant qu'on ait des enfants. On s'empêche d'en faire avec les enfants parce que les enfants, c'est, on s'entend que c'est pas la patience incarnée dans la vie. Puis commencer à sortir ça une fois que les enfants sont couchés, ça nous tente pas tant. Fait que, sérieusement, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas cuisiné une fondue. On en a mangé récemment chez des amis, mais cuisiner, ça arrive vraiment pas souvent. Comme si on se réservait ça seulement à Saint-Valentin, puis pourtant, il y aurait tellement de belles occasions de s'en faire. Lucie, elle, c'est du saumon avec des bons légumes, c'est bon. Ça, c'est très sage, Lucie, comme souper de Saint-Valentin. Joanne, qui joue au curling demain en ligue, souper ami à samedi avec crevettes et vin. Ça va être bon. Bernadette, elle va être seule avec un de ses fils, qui est seul aussi. Je vais faire une bonne fondue chinoise. C'est bon, ça, Bernadette. T'as ton amour avec toi. Ton fils, ça va toujours être un amour pour nous autres. Nos enfants, c'est nos amours, c'est nos petits amours. C'est pas nos conjoints, mais ça reste nos amoureux aussi. Donc là, j'ai même eu l'approche. J'ai eu un beau bricolage de mon fils qui m'a demandé si je voulais être sa Valentine. Évidemment, c'est pas lui qui a écrit. Donc là, mon potage, il est cuit, ça c'est sûr et certain. Là, ça fait plus que 5 minutes que je vous jase ça. Là, je vais fermer mon rond. Puis là, je vais le mettre dans mon robot culinaire. Là, je sais pas si c'est si important que vous voyez ça. Mais moi, je pourrais même pas vous le montrer, sinon ça va foutre le camp à terre. En tout cas, je vais le mettre ici, là. Vous verrez peut-être pas grand-chose, là. Puis là, je vais essayer d'y aller vraiment intelligemment, là. Donc, c'est bon. C'est chaud un peu. On fait un chaud boucan aujourd'hui. Hey boy! Non, ça c'est pas une bonne idée, mon trou est vraiment trop sous le bord. Je suis désolée, là, je vais vous reculer. On fait ça sécuritairement. Donc, je vais mettre ça dans mon robot. Je sais pas si il va falloir que j'y aille à deux batchs. Hein? Ah, peut-être pas. On va être correct. Bon. Puis, c'est aussi simple que ça. Puis ça, j'ajoute ma crème que je vous disais tantôt. Puis là, on va se perdre quelques secondes le temps que je parte mon robot culinaire. C'est vraiment au goût. Je sais qu'il y en a qui aiment ça vraiment très liquide, un potage. Moi, j'aime ça quand même soutenable. Tu sais, comme ça, là, il en manquerait peut-être un peu. Je rajouterais peut-être un peu de crème. Ouais, je vais rajouter un petit peu de crème. Un peu de bouillon, là. Le bouillon aussi, il est fini. Puis là, j'y vois à l'œil, là. Vraiment, là, cassez-vous pas la tête avec les quantités, là, vous y allez à l'œil. Je rajoute un peu de bouillon. On va rajouter un peu de crème aussi. Puis je repars la machine. Ça bouillonne encore. Il y a plein de petites bulles qui se forment sous le dessus.
sais, que je pourrais bien mettre ça. Je vais m'en prendre un bol ici, à la place, ça va être beaucoup plus sage. Finalement, ça l'est vraiment pas. Ah, oh, ça va bien mal. Puis on réajuste évidemment l'assaisonnement par la suite. Là, là j'ai peur d'y goûter parce que c'est ça, je vais me brûler. Là. Mais tu sais, voyez. Je vais faire la lumière. Là. On va sortir des ténèbres. Sous le comptoir de rectangle. Donc, voici la texture de mon potage. Moi, j'aime ça comme ça. Si vous voulez plus liquide, rajoutez bouillon et ou crème comme je l'ai fait tantôt. Puis on réajuste vraiment l'assaisonnement. Là, c'est vraiment très chaud. Fait que je vais y aller. Hein. Ah, c'est bon. Ça va être confortable, ça, mes amis, en fin de semaine. Je vous le garantis. C'est vraiment très simple, comme vous voyez, là. Oignons, patates douces, chou-fleur, haricots blancs, bouillon de poulet, crème. Aussi simple que ça. On pourrait le booster, la recette, si on veut en ajouter un fromage fort. Ça pourrait être du parmesan, du romano, quoi que ce soit, mais moi, j'aime ça tel quel, puis je sais que les enfants vont aimer ça. Pour les bouillons, Bernadette, au départ, j'ai mis 5 tasses. Mais comme vous voyez, là, peut-être que le chou-fleur était plus gros aussi que l'autre fois. Là. À un moment donné, un chou-fleur, ça n'a pas tout le temps la même grosseur standard. Donc là, j'en ai rajouté peut-être tantôt, là, quand je l'ai mixé, peut-être une demi-tasse de bouillon plus une demi-tasse de crème. Vous allez vraiment voir selon la texture, là. Je suis capable de vous le montrer. C'est laid de même, là. Attendez. C'est vraiment, là, selon la texture, là, on voit, là, il est vraiment onctueux, mais il n'est pas épais, là. C'est pas une purée non plus, là, qu'on veut, là. C'est onctueux, c'est épais, c'est pas une soupe non plus. Donc, ça, c'est vraiment la texture que moi, j'aime. Là. C'est pour ça que j'ai préféré rajouter du bouillon et de la crème pour ça. Mais si 5 tasses, sinon, de bouillon de poulet, ça pourrait être du bouillon de légumes, évidemment, pour une version végé, si on préfère. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous partager la recette tout de suite après le live. Je vous invite à venir partager, participer à notre concours pour gagner le super beau... Hein, je vais-tu dire? Panier cadeau! Le panier cadeau de la Pralinière. Donc, tous des beaux produits chocolatés qui vont sûrement plaire beaucoup à votre famille. Donc, je vous mets la recette et je vous remercie d'avoir été là. Puis, on se dit à très bientôt. Très bonne Saint-Valentin. J'annonce le ou la gagnante dès demain. Bye bye!